Coucou tout le monde, ou bonjour si vous avez regardé votre guidance perso juste avant. Je viens faire le tirage monde du 7 au 13 novembre. On va déjà commencer par demander à nos guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le monde, s'il vous plaît, mondialement, pour la semaine 7 au 13 novembre? Alors, on voit déjà ici. Il y a des nouveaux projets. Regardez, il y a des nouveaux projets. D'accord? Donc ça, c'est pour le monde. OK? Des nouveaux projets. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux projets? Alors, désespoir et compétition. Bon. On voit ici qu'il y en a qui vont pas être très joyeux, hein, qui vont être désespérés, d'accord? Et c'est une compétition. Alors c'est vrai déjà quand on voit tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe. Comment vous dire? Au Sénat, hein, voilà. Il y en a qui sont en train de faire caca dans leur culotte, hein, et qui préfèrent accuser les autres de ceci et de cela pour les éliminer du machin chouette, hein. Ben ouais, parce qu'il y a des 49-3 et parce que y en a qui refusent ce 49-3 et peut-être qui, peut-être pas. Donc justement, pour pas que les gens puissent s'opposer à ce 49-3, ah ben on profite un petit peu de les critiquer sur certaines paroles. D'accord? Alors je ne vais pas citer quoi parce que je vais encore me faire traiter de ce que je ne suis pas, bien au contraire. Mais moi je suis pour le bien-être de tous. D'accord? Voilà, le bien-être de tous. Alors comprenez-le comme vous voulez. Et puis il y a l'autre aussi, là, grande gamelle, Gargamel, moi je l'appelle comme ça, qui veut absolument la place, hein, vous voyez? C'est une compétition, en fait, c'est ça. C'est seulement pour la place, les amis. Simplement pour ça, d'accord? Voilà, pour faire tomber un parti et pour avoir la place. Voilà, c'est tout simple. Et on voit que c'est partout pareil, c'est dans le monde comme ça. Mais ici, comme on parle du monde, hein, voilà, bon, comme on sait qu'il y a le mi-mandat, là, hein, bon, bah, par rapport à ce mi-mandat, moi je vois que voilà, hein, ça va vraiment être une compétition et il y en a qui vont être déçus. D'accord? Voilà. On va demander au monde invisible, s'il vous plaît, concernant le monde, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette semaine? La danse, alors, Sabine, mets tes lunettes. La danse liminale, délicatesse, fragilité et éphémère. D'accord? Bon, tout ça, c'est encore fragile, hein, vous voyez. Il va falloir qu'ils jouent bien leur rôle et tout ça parce que, n'est pas sûr que ça va marcher. OK? Voilà. Bon, donc ça, c'était déjà ça. On va demander à l'oracle onirique, hein, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la semaine du 7 au 13 concernant l'actualité mondiale. Hein, d'accord? L'actualité mondiale. Il y a la nudité. Donc, il y en a qui vont être mis à poil. Pour moi, la nudité, c'est qu'il y a des choses qui vont être révélées. D'accord? Des choses qui vont. Il faut que ça sorte. Hein, okay? C'est un petit peu plus que normal. Voilà. Alors, on a le vol. Vous voyez, pour moi, il y a des choses qui vont être divulguées par rapport à des vols. La maison et les chaussures. Bon, bah moi ici, comme c'est un truc mondial, hein, moi je dirais qu'il y a bien des choses qui vont être divulguées par rapport au trafic de
de qui est à la Maison Blanche, par exemple. Hein? Voilà. Des vérités par rapport au trafic des petits papiers dans la boîte, là. Vous savez? D'accord? Voilà. Et comme c'est mondial, c'est un peu partout. Alors ici, on nous dit de bien rester ancré, hein, d'accord? Parce que ce qu'on va entendre risquerait d'être dur à entendre, très dur à entendre, très très dur à entendre. Hein. On va prendre l'œil de lotus et après on prendra mon gros jeu. Concernant l'actualité mondiale, bon, on essaie, hein. Alors, on a la créativité, donc les nouveaux projets, hein, on en revient à ça, la sagesse, la protection et les efforts. Bon. Alors, il y a des choses qui sont en cours. Pour moi, il y en a qui pourraient faire un petit peu d'effort et de rester calme avec la sagesse, d'accord? Et ça serait vraiment pour se protéger, pour nous protéger, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment, oui, des nouveaux projets en cours. Ils vont être faits avec beaucoup de bienveillance, d'accord? Voilà, c'est un effort qui est demandé, mais c'est pour nous protéger. Pour les protéger, enfin voilà. Hein. Comme c'est mondial, on fait partie du monde, pour moi, on est dedans. Alors, s'il vous plaît, les cartes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'actualité mondiale de cette semaine? Le choix. Va y avoir des choix à faire, d'accord? Il va falloir mettre son libre arbitre au travail. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'actualité de la semaine 7 au 13 novembre? Le débordement. La goutte qui va faire déborder le vase. Vous voyez? Trop d'abus. Bon. Un choix par rapport à l'abus qui va encore se passer. J'espère qu'on ne me parle pas que des élections de trucs là, parce qu'on a fait ce tirage-là. Mais bon, c'est vrai que cette semaine, je pense qu'on va, voilà, malheureusement, avoir beaucoup de cartes qui vont sortir par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, les cartes, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'actualité mondiale de la semaine? Donc, du 7 au 13. Alors, on a le papillon. Vous voyez, un changement de situation, une amélioration, une transformation. Bon, il va quand même falloir se méfier, d'accord? Il y a quand même le doute, hein? OK? Alors, pour moi ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui a des nouveaux projets par rapport à ce qui va encore se passer, à l'abus qui va se passer, d'accord? Malgré le doute, malgré son hésitation, je pense qu'il va faire le choix avec beaucoup de sagesse, d'accord, de transformer les choses, d'améliorer les choses. Vous voyez, regardez, il y a l'élévation aussi. Le papillon, c'est une bonne carte et on a l'élévation. Il y a bien un avancé. Une progression, d'accord? Sur une personne assez complexe, égoïste, orgueilleuse et dominatrice. Bon. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'actualité de cette semaine pour le monde? La protection. Vous voyez, il y aura un soutien quand même, hein, une assistance. Une entraide venant de l'entourage. Alors, s'il vous plaît, on a les honneurs. Hein, donc, vous voyez, pour moi, les honneurs, c'est le mérite, les valeurs, les services rendus. Les honneurs, pour moi, c'est quand même un peu l'armée. Bon. S'il vous plaît, l'homme âgé. Et les enfants. On va apprendre quelque chose concernant les enfants. Bon, ben, vous voyez quoi? Vous voyez de qui je parle, hein? Ça doit être le sénile,
hein, le bidon. D'accord? On va apprendre des choses. Ces choses-là vont sortir. Vous voyez, les nouveaux projets, c'est ça. C'est de faire sortir ces problèmes avec concernant les enfants. OK? Donc, aussi bien le fils que le père. Parce que c'est tous les deux, c'est pas un. Et le puits, vous voyez? Là, voilà. Là, ils vont plus pouvoir maîtriser. On est d'accord. Là, ils peuvent plus rien maîtriser. Bah oui. Bah oui. Donc, ils vont encore essayer de tricher. Hein, voilà. Mais malheureusement, on voit qu'ici, ils ne vont plus y arriver. Regardez, on a le trafic. Et on a la solitude. Vous voyez? On a bien l'homme âgé, les enfants, le puits, le trafic, la solitude. Donc cet homme âgé va encore essayer d'abuser, d'accord? Voilà. Lui, son choix, il est fait, c'est l'abus. Donc il veut vraiment, voilà, encore retricher comme d'habitude, mais il y a ici quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a beaucoup de mérite, hein, qui a des valeurs, d'accord, qui est aidé par son entourage, d'accord, et qui avance, qui avance. Qui avance, et moi je vois ici qu'il y aura un changement de situation par rapport à un homme âgé. D'où les enfants seront concernés, n'est-ce pas? Voilà. Le trafic d'enfants sera concerné, d'accord? Là, il va plus rien pouvoir maîtriser et il va se retrouver seul, d'accord? Donc peut-être aussi des gens de son parti qui vont l'éloigner, hein? Qui voilà, parce que attention, tout le monde est concerné là-dedans et ils vont essayer aussi en même temps de se protéger. Alors, s'il vous plaît, concernant les actualités de cette semaine dans le monde, peut-être au 13 novembre. Alors, on a quoi? On a le printemps, donc un changement rapide et positif, hein, d'accord? Ici, on a le bateau, donc ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, qui s'évade, qui s'éloigne, mais ça peut être aussi un contact à l'étranger, donc un changement rapide et positif qui vient de l'étranger. On a les forces de l'ordre, hein, vous voyez, et ici, on a l'Océanie. Bon, bah écoutez, quelque chose qui viendrait de l'Océanie, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement rapide. Et il y en a qui vont essayer de s'éloigner, qui vont essayer de se barrer. D'accord? Mais on a ici les forces de l'ordre. Donc, faut pas rêver, s'évader, ça va pas durer longtemps. Même s'il arrive à s'évader, ça ne durera pas longtemps. Alors, s'il vous plaît, pour l'actualité de cette semaine dans le monde, 7 au 13 novembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire? Elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée. C'est actualité mondiale du 7 au 13 novembre. La clé, regardez, ça va ramener la solution au problème. OK? Bon, moi, cette ligne-là vraiment me parle, hein, d'accord? Voilà. Alors, je voulais vous faire le tirage sur fils bidon. Savoir si ça allait avoir des conséquences sur lui. Bon, je vais quand même vous le faire, mais ici, je vois quand même que voilà. Pour moi, la réponse est oui, d'accord, les amis? Bon. Eh bien, écoutez,
Dites-vous quand même qu'on a des bonnes cartes, d'accord? Parce qu'on a le papillon. Le papillon, c'est le changement de situation, l'amélioration, d'accord? Une métamorphose. On a l'élévation, ok? On a la protection. Bon, écoutez. Et on a la solution au problème. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du... Ah, oh, on a l'Asie aussi. Les blessés. Communication et tomber les masques, hein. Bon, alors même les mères job vont peut-être s'y mettre, quand même, hein. Voilà. Par contre, alors, est-ce qu'on ne nous parlerait pas non plus de cette GUERRE là-bas, vous savez, on n'a pas le droit de dire, huc-huc, hein, voilà, qui vont être dévoilés. Hein, parce qu'en plus, on sait que fils bidon, hein, et là-bas, en huc-nuc. D'accord? Et que là, on essaye de dire que c'est poupou. Vous voyez, il y a beaucoup de choses hein, pour moi ici cette semaine qui vont sortir. D'accord? Mais parce qu'ils auront encore fait le choix de la malhonnêteté, hein, voilà, de vouloir gagner, alors que ben, pas du tout. Hein, pas du tout. Voilà. OK? Donc, il y a encore quelques efforts à faire. Ça va encore durer un petit moment, hein, les amis, voilà. Mais ils vont se faire prendre à leur propre piège. D'accord? L'effort, c'est peut-être ça. C'est peut-être encore d'être sage un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont en train de se créer. D'accord? Mais moi, ici, nudité et vol, voilà, on met à jour, hein, voilà, tout ce qui, tous les trafics qu'il y a pu y avoir, hein. Maison, ici, maison, pour moi, c'est pas seulement la maison des habitants, hein, vous voyez, c'est une grande maison, c'est, voilà, pour moi, c'est la maison white, hein, white. Voilà. Bon, écoutez, et puis, vous voyez, on rentre en guerre, hein, ils vont rentrer en guerre par rapport à l'abus, encore une fois, d'accord? Et il y en a qui vont être... bien triste, hein, d'accord? Voilà, en tout cas, il y a des nouveaux projets pour cela, ok? Bon, je vous fais des bisous, je suis à vous faire la France.